Yannick, ça existe très sûr de ce que j'ai écrit, ça prend aucune fois jamais, ça y est, je me pèse. Donc, tiens, l'euro pour se prendre, ça, c'est lundi 22 juin. Et c'est carrément, c'est la carte qui était. C'était. Hésiter à mon frère d'un visiter fort en mai dernier. C'était l'euro en rouge. La France, la Belgique, le Luxembourg et la République ont décidé d'arrêter. En fait, il y a des qui ont repris en mai, c'était la 16 mai. L'Allemagne, en gros, ceux qui reprenaient en juin, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Angleterre, qui ont repris ça. Et on va s'adresser à l'équipe de la victoire du Real Madrid hier. Et vous avez mis l'idée de demander votre pronom sur Twitter. Quelle équipe est la plus importante pour le Real Sociedad et le Real Madrid? 0% pour la Real Sociedad. 30% pour le match nul, 10% pour le Real Madrid, victoire 2-1 pour le Real Madrid, plus un but de Karim Benzema et du Sergio Ramos sur penalty. Et la grosse info, l'autre information qu'on voulait savoir, je vous ai dit, image, les amis, il est là en image, c'est la reprise de l'entraînement en lien, les amis, pour le Paris Saint-Germain qui est venu vraiment aujourd'hui avec Neymar, Mbappé, Thiago Silva, Angel Di Maria, Marco Verratti, Mauro Icardi et tous ces coéquipiers. On a vu aussi Leonardo arriver au camp. C'est un entraînement au vélo avec un masque. Voilà, les amis, ça fait plaisir. Notre week-end. On part en tennis, les amis, avec les casse-têtes de sport. Une perte. Après, là, c'est tout. C'est le pouvoir de Lucas Pou, les amis, avec la victoire. Deux militaires, je vous parle à l'intérieur de la Gazeta. On voit la seconde écran, la riposte de Lukaku qui est dit dans le phrase de la Lukaku. Le grand matin est juste ici. Hier, deux sauts de pas de 1 pour 1, avec un but de Lukaku et l'autre Martinez pour l'Inter Milan, les amis. Et oui, l'Inter s'est imposé devant 2-0. On part en Saint-Denis avec tout le sport de la Juve dans la balistée de la vie de Sarri et M. Mauro Sarri et M. Cristiano Ronaldo. Et dans le coin, on voit toujours le gagnant. Par contre, encore un dernier sport. C'est pas décidé pour Ronaldo non plus. Et oui. Et par contre, on peut bien regarder avec le gagnant sur. Je vous demande ça. Avec le gagnant sur. Et oui, Lukaku, l'Inter est privilégié, l'Inter ne ressort pas. Avec la victoire des compos, je ne sais pas quoi. Avec l'entraînement, vous comptez le 12 pas. Histoire 2-0, je rappelle, de l'Inter. On part en Espagne, les amis, avec mon autre. C'est Mendy, Madrid, qui a pris en à Madrid. Ce qui m'intéresse, c'est Barça, les amis. Barça, attention, attention, les amis. Une information de Barça. Forcément, de Barça. Frankie Bayon, les amis. Est-ce que Frankie Bayon est un peu en train de rompre le Barça, les amis? Tout le monde est en train de passer le match qu'il a joué. On voit Frankie Bayon. Est-ce que la direction du Barça, Roberto Mayo, et son joueur Frankie Léon, c'est pas enfant de se rompre, de que rien se rompre. Est-ce qu'on va avoir un départ, un grand départ Frankie Léon cet été? Réponse, réponse finalement, c'est une affaire à suivre très bien sûr, avec très attention pour cette information. Et on voit bien sûr le dossier de Martinez, les amis, avec Comté
avait compté son entraîneur de l'Inter Milan. Normalement, Lautaro Martinez devrait quitter le Barça, l'Inter Milan pour rejoindre le Barça. Il faut quitter pour compter les amis. Si l'accord a été trouvé entre l'Inter et le Barça pour compter, ça fait un peu plus. Et l'autre information aussi, c'est le temps de la Madrid qui prend la tête du classement de Liga après avoir que le Barça et gagné plusieurs fois. C'est Madrid, Asata et Liberto. En outre, comme Lucha Polinica, la polémique entre Barça et Madrid pour la victoire finale en Liga espagnole. On reste en Espagne, les amis, toujours avec As, avec les deux, ce nouveau leader, avec et Sergio Ramos avec un débuteur et un père de la de As, de mon frère de As, les amis. On voit, hop, on peut voir. Camilla est leader, le nouveau leader. Mais le débat continue entre le Barça. Et qui va l'emporter cette saison? C'est serré. 65 points. Partez donc par Real en tête. Barça. 65 points, le même nombre de matchs, le même nombre de journées. Le Barça a réussi à prendre la tête grâce au nul du. Le Real a réussi à prendre la tête grâce au nul du Barça de ce week-end, les amis. Et c'est grâce à ça que le Real tête de la Liga pour longtemps. Réponse la semaine prochaine, dès mardi plutôt, pour le prochain match du Real Madrid. On voit ici, je vais vous montrer un peu les détails du match. Qui s'est passé pendant le match, les amis? Regardez. Regardez-moi ça. Regardez ça. Voilà, les petits marseillais. Les madriennes qui jouent en bleu. Bien sûr, on voit tout ce qui se passe. Marcelo, le penalty, Karim Benzema, le buteur. Voilà, les amis, pour ce match. Mais par contre, toute la presse espagnole, voilà, pas en bleu. On reste en Espagne, après As, même sport, on parle les amis, hein, ils en parlent dans la page intérieure, et Stylian, ils en parlent aussi là, regardez, voilà, là c'est au devant, mais ce sentier c'est Ederes del VAR, l'éther de la VAR, les amis, c'est VAR, qui a permis à la Madrid de tenir un pénalty sur son bar, Sergio Ramos, je rappelle, les victoires, au final. Et oui, la polémique de la barre revient. Après, on voit bien sûr, on s'accélère les ventes de livres. Et écoutez, les deux, on devrait ne parvenir cet été au Barça. Donc c'est Barcelone, Bertomeu voudrait faire vendre, vous allez vendre. Et c'est bien que le Bayern ne va pas lever à son âge à Coutinho. Quelques de Chelsea seraient sur les traces de Coutinho. Pour l'instant, de beau aucun club, mais c'est lui. Et on finit par Marca, bien sûr. Pas encore, comme je vous dis, toute la presse espagnole parle de ce match, victoire du Real Madrid, l'homme leader en rotation. Le leader, le Barça, le Real Madrid, le leader devant le Barça. Et Messi, on voit aussi que Messi est de celle qu'on aime Barça. Qu'est-ce qui se prépare encore aussi? Ça a même aussi avec le Barça. Attention, attention, les amis. Voilà les amis, c'est la fin de cette conférence. Continuez demain pour un rendez-vous demain. Et profitez des autres. Et je vous embrasse.